quelques jours dès son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations face au crâne ougandais, les Léopards A de la République démocratique du Congo ont concédé la défaite des 0-1 devant l'équipe correspondante du Mali en amical des fixations disputées ce mardi 10 janvier à Sousse. En effet, après une première période très mal négociée, les hommes d'Otis Ngoma ont subi dans la première partie de la rencontre les pressings hauts de l'équipe adverse et empêchés par le manque de mobilité dans l'animation offensive. Obligés de jouer long et derrière, les Léopards vont encaisser l'unique but de la partie à la 19e minute sur une erreur défensive individuelle, 1-0 en faveur du Mali. À la reprise, Otis Ngoma opère plusieurs changements afin de créer la mobilité au milieu et la vivacité en attaque au point de se procurer plusieurs situations mais très mal négociées jusqu'au coup de sifflet final. Les scores resteront échangés 1-0. Et vous avez très bien vu que déjà c'était notre dernier match de préparation. On n'en a pas eu assez de matchs. Deuxièmement, on a voulu voir tout le monde. On a préféré chambouler l'équipe pour une première raison. Secondo, c'est aussi dans l'esprit d'éviter de blesser surtout chez nos joueurs cadres. Mais cette difficulté-là nous amène à une réponse qui est que ça peut nous arriver lors du championnat et qu'il fallait trouver des réponses. Donc en partant de ça, on a lancé une équipe moyenne. Oui, mais la physionomie de la deuxième mi-temps a complètement changé parce que ces joueurs cadres dont on a laissé exprès dehors, on les a fait revenir, donc on les a fait rentrer. Et qu'on a vu tout de suite que la Mahoise a pris rapidement. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu quand même quelques précipitations parce que le fait d'être mené tout au long de la compétition, tout au long de notre préparation, on n'a pas été confronté à ça. On a confondu vitesse et précipitation. Et ce qui a fait qu'on ne revient pas à la marque alors qu'on a eu des occasions de but. Mais ce que je vais dire simplement, c'est une leçon. Ça nous donne une leçon parce que je crois que certains joueurs aussi étaient dans l'esprit, croyaient déjà avec les 3-1 contre la Libye qu'on était déjà là. Donc il y a une remise en question de chacun d'entre nous pour les prochains matchs et que tout joueur doit mettre plus d'efforts et puis se concentrer sur ce match qui est contre l'Ouganda. Non, je crois que c'est des grands garçons, ils sont habitués déjà à ce genre de compétition. Il y a beaucoup de garçons qui jouent la Champions League africaine, la Coupe des Confédérations. Et puis notre rôle aussi est là pour essayer de les apporter un plus sur le plan, pas de la motivation, parce que la motivation, elle est intrinsèque, elle vient de soi, et la détermination est autre, mais conseiller pour lutter contre le stress, puis et surtout la peur, parce que la peur n'évitera pas le danger. Non, mais je crois qu'on a une belle équipe. Maintenant, on sait quels sont les duos, les binômes qui peuvent jouer, puis quelles compositions qu'on va avoir et comment surtout on va aller chercher l'équipe adverse. Un vrai dernier match, test pour les poulains. Otis Ngoma obligé de relever la tête afin d'affronter les Ougandais avec sérénité le 14 prochain à Annaba en Algérie. Bon, pour notre esprit de fait, premièrement, on les a une partie de l'OAG, tout le match. Qui est au récite, ils ont gagné la défaite, le comme le bus bon. Pour la bisso, ils ont les soins tirés, ils ont un match, ils ont le dernier match en soi préparation. Et c'est vrai que coach a tous les joueurs, bon, peut-être les 11 de départ, ils ont un match à l'Ona, où il y a Libye, ils ont un peu de différence, et ça, préparation, tout qui pour la coach a Zouatan, il y a Romain à tous les joueurs. Pour la bisso, défaite, ils ont bougé, ils ont l'eau à mon côté, et puis ils ont l'eau à mon côté, et ils ont l'eau à mon côté, surtout ils ont sur les 28, tous à la peine après pour. Et on a match et banaté. C'est ça en fait. Mais des fois, c'est celui-là monté. Le mien a tiré le lot, les sons, tous à la carte prêts pour le match. Bon. Par rapport au match à Libye, pour moi, personnel, la monique est Libye est plus fort que Mali. Bon, ils ont chance, ils ont la bonne, ils ont Chebi, ils ont erreur, ils ont mis mon bon. C'est ça, loi du jeu, ils ont la bonne foot, ils ont mis ça raté. Ceux qui ont bossé l'erreur, c'est tout. C'est ça, on va profiter. Non, non, très bien. De fait, c'est selon mon bouge. Par contre, les salles sont bien motivés ce soir en plus, que Moutounion, ça concerné, à Koukoubé, ta match. C'est ça, laissons-toi quoi tirer le nom.